Nous, on a entendu une très très forte explosion. On a l'habitude parce que y a des camions qui passent, ça fait bouger le bâtiment, sauf qu'on a entendu une deuxième explosion et là ça a vraiment vraiment beaucoup bougé. Et donc on s'est tous retournés et puis on a vu en fait les flammes qui dépassaient carrément une boule de feu qui a dépassé le bâtiment qu'on voit rouge et blanc. Et puis ensuite on a vu la fumée quoi et là. Et vous vous êtes dit que c'était grave là du coup? Ah bah pour avoir senti l'explosion depuis notre bâtiment, ouais, on s'est dit que c'était grave, puis quand on a vu les flammes, on a été assez un petit peu impressionnés quand même. Et là, à l'heure où on se parle, qu'est-ce que vous voyez vous depuis la fenêtre? Alors il y a toujours un petit peu de fumée, il y a plus du tout de. Tout est bloqué en fait, la police a bloqué la route qui est devant chez nous. Il n'y a plus aucun camion, il n'y a plus rien. Et donc bah, il y a toujours un petit peu de fumée. Hein, et on voit la charpente qui est complètement nue maintenant. Toute la charpente, il n'y a plus rien, quoi. On voit plus juste la charpente qui est nue. C'est assez impressionnant. Bah, pour l'avoir vécu, pour le coup, ouais, c'est assez choquant.